Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission Nabiso. Autre sola ensemble, la situation politique Namboka Nabiso. À la une, chers téléspectateurs. Interview live de l'avocat de Ngoï Moulunda en direct. Ya prison ya Kasapa. Bande konanga toko yoka. Interview live en direct ya prison ya Kasapa. Toko yoka avocat na ye. Bande koboko mona. Ba image ndegaza na kata prison bande konangai. Alors, eza somo toko développement ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, et Yindi, ce vendredi, identification de la nouvelle majorité. Les députés nationaux invités en plénière, vendredi au Bangonion, son assemblée nationale, et puis, Bayati, déjà, a quelques représentés, président, yaba parti, Bangonion, ce n'est pas au Monawana. Et pas y'a fatigué qu'on présente bango. Et puis, bah, invité bango ce vendredi. Pour ma solo, et si là, tout yéba, nani, à cause à la première ministre. Et ça y'a qu'on yinda bande konanga. Et de l'autre côté, motion contre Ilunga. Les députés de Katumbi et Bemba, si motion contre Ilunga, toko développant ensemble. Troisième point, chers téléspectateurs. Obalubaka eyindi FCC sort de son silence. Tokolanda interview live ya PPRD. Alors eza somo. Donc balobi oyunion sezo salama na assemblée nationale violation de la constitution. Eza somo toko développement ensemble. Alors chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso. Premier point, bande konangai, tokolanda interview live en direct ya prison ya Kasapa. Moulunda fait appel, Moulunda a sali appel bande konangai na oyo e yindeli bande ko ezasom azo sam tokoyo kavokanai. Moulunda a meme makambo oyo na ndenge moko ayeba kiteke ekokomera ebo. Bozo mwana ba foto wana kata prison amoni penake. Donga na kati ya prison. Donga zo ndi mate ye moko. Amoni penake na luki makambo. Bandeko incitation ya la haine eza makambo oyo mboka na biso baza koboya. Moulunda a crié makambo moko oyeza kitokote. Ba ide wana secession yango lelo memi ekuna. Ba avokane ba lobi non, liboso na batuni ba mikanda tout ça, ba vérifier ndenge nini ba manda ba biloko to ba moni pena ke oui. Il commettant il faut yé asamba. Alors et puis ba zori ketende ni tamuki oye bakanga ki mbala moko na prison aloba tu wana bazoko selamante bavokanai aloba ngo tu baza na prison Kasapa ndebo ulanda wana interview la allo. Qu'est-ce qu'on reproche de Moulunda? Incitation à la haine, sécession du Katanga na mutunai la setere za bakatangi. Donc ndenga za wana zo regretti. Et le quoi ça qui est rare, peine ma kamounaye a cité Kombo ya Kabila. Alors, a tchè Kabila. Donc, et ça le quoi secret, bimine, nandenga zoloba. Alors, le sala est peine bien dit. Donc, bandeko, a ko samba, je crois bien, mi kolo toko yoka. Quand il fallait mo tchangwata na télévision, batu tout batala na RTNC. Parce que, oya l'ingaka kriye, ça somme.
na lero gouvernement zovanda bandeko nanga inyo sacré zovanda me bato ba yeli biso pour yaba lobaka bato oyo a FCC PPRD ba yakana likamubu ngoi mulunda ibi bien que na 2011 Etienne Tshisekedi mutagayenge allo sikoyo ngoi mulunda umoni sikoyo bama be oto sala e kubendelio makambo otu oyeba ite ke ba discours no salaki ba makambo to salaki makambo so sala dans le passé yango ba tu ai de pes bazana kpase e tient ce que dia kwa ku kufati asa la prison de la république ti parce que ba poraki me yo o tinde konona pouvoir. Parce que c'est Tien Tshisekedi Mutabimaki. Et puis, Ngoi Mulunda le savait. Alors, 5 ans, Oyo, yo boyaki et Tien Tshisekedi à la présidente de la République. Et qu'on baxe la maïokouna. Bon, baxe. Et qu'on baxe mané 5 ans kouna. Parce que, et ça mawa. Alors, bandi kounangai. À la prison. Donc, à ce moment-là, on va photo à la 4 à prison. A comme na katia ba mir. Après coupé sa grand discours na katia église na méthodiste. Alors, bande konanga sans plus tarder, to yo ka voka na ye, bon to continue mission na biso. Na na biso makamoni ezo le kawa na procès ya pasteur Daniel Ngoi Mulunda. Na watu za na biso central ya Kasabete. Oui, justement, biso to za conseil ya pasteur Ngoi Mulunda. Toyaki lobby to samba kité mais les lobby toyé to singi d'abord ya liboso né pourquoi se retrouver awa alors dit non à se retrouver awa par un document oyo bango ba ba singi yango nini prise de corps to lobby est ce que prise de corps et koki ko kutinda kutinda mutu asamba devant tribunal et ça la kané mona té o etinda ka mutu asamba devant et ça requête au fin de fixation. C'est quoi le col a refait au fin de fixation des alakis et bisou yango tolobi dans ce cas les a france bisou sauté les a nini et sa procédure normale comme procédure normale de rejeter france tribunal a se prononcé à l'obi non non et a nini et a france quand on s'est prononcé client a bisou à qu'un appel parce que l'appel est individuel client a bisou tant à qui appel et tribunal ah nini nini appelle au salaire ni que tout se doublete et le client a dit soit appelé bon le procès continue biso tourbi non non pas que a continué c'est ainsi que notre client a lobi a kosambate azo lingana no juge na naturel pondre yi les aka kabato et mon côté oyo bazo sans ba samisa qui na premier tour ba ya juge parti non non pour yé a contester jugement à premier ya ba juge ya liboso que tout pc bino matondi. Vous êtes membre du collectif des avocats du pasteur Daniel Ngoi Mulunda. Qu'est-ce qu'il en est de son procès? Bon, nous venons de lever l'encre dans cette défense parce qu'il y a eu un débat ce matin sur le fait de la saisine. L'ANR est endé le pasteur Mulunda de force chez lui, 2 jours après les faits, après qu'il a fait son sermon, gardé à l'ANR dans un cachot, il a une heure. Et le lendemain, ils l'ont conduit au parquet général sans l'avoir entendu. Et sur base du mandat de prise de corps, il a conduit pasteur Mulunda à la prison. Alors, le lendemain, le tribunal s'est présenté au-delà de 19h pour le juger. Mais le prévenu a dit, je ne suis pas en mesure d'être jugé maintenant, je reste dans ma cellule. Et nous voulons identifier le prévenu, mais... Nous disons non, l'audience commence. Non, nous avions siégé hier. Mais comment vous aviez siégé hier sans sa présence? Et comment avez-vous identifié que vous avez siégé sur le cas du pasteur Mulunda? Nous avons demandé d'abord qu'il y ait une régularisation de la saisine, qu'on lui notifie qu'il comparait à la demande du ministère public parce qu'il avait fait un mandat, disons une note d'audition de la cause Mulunda devant le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo. Nous avons demandé qu'il lui soit notifié régulièrement qu'il est. Et le tribunal
refuse, mais le tribunal rend décision pour dire qu'il rejette les moyens soulevés par la défense et demande à la défense. La défense a formé appel contre cette décision. Et d'ailleurs, le prévenu lui-même a dit non, je vais en appel contre cette décision parce que vous n'êtes pas régulièrement saisi à mon égard. Le tribunal s'est retiré. Il est revenu 15 minutes après pour dire cet appel n'est pas formalisé. L'article 100 du Code de procédure pénale demande que l'appel soit formalisé. Pense à soulever les arguments pour dire nous sommes à titre du greffe et la loi dit tout ce qui est à l'audience par le greffier, il est authentique. Nous avons fait acter cet appel par le greffe et devant le tribunal pendant qu'on... Allo, bande konanga bison sto landiwana. Donc, situation na ye e komi ndenge to yuki avoka wana. Basengi ba mikanda tu, ba requisition, tout ça ba mitunde nini, bo kangiye ils ont tout plaidé et puis ba sali ba sengi appel. Donc, appel wana, bande konanga ye, ba koyo ka appel na ye. Mais aïe baki bakotika eti jamais ko jamais liberté provisoire parce que ça très dangereux na oya lo baki a sécession et ça mobulu. Donc situation oyo ndenge zawana ngoi mulunda azana problème sérieux si quoi moni peneka azana katia bamir tanga opesa sermon ya zo mwaka yina yi. Parce que malobani tu as zo lobake bakatange to zaini toko raté ma belé oyo té ce qui bango balingi sécession salamaté bakotia kabila ret na mupandité donc makambo tu ya lobaki incitation wana nyonso e bonga kiti alors ngoi mulunda asana katia bamir ne bozo mona prison centrale de la Kasapa interview. Oui, salami ndebo zomona yewana na parking wana ndebo landi na video. Alors ba avokani mbaza ko samba bazo sala nyonso basa la peine me ba yebaki akubeta yango akubeta yamba luba ko salima bena likamboyo omoni makambo to asala ki na seni etienzi sege de abimi achete afuta ngo d'une manière d'une autre donc Eko baki sama. Yawa lubaka na vito tika kusala mabi. Oyebite uwe koko ya apre. Acheba kongole na pasi. Batu ebele bakufaki na 2011. Alo. Ebele batu wana bakufaki. Sogu toye bande nini. Batu bas korteji za Hollande chenzi sekedi tu sana 2011. Ba vote tous ces salami et tiens si c'est d'abimité yo prononcer que voilà Kabila mutabimi et tout ça yo moko yebike et mutabimaki ezale ti c'est mon siko allo tozonga na dossier ndenga za na prison ndenga za wana aza ko samba mais makambo ebele o ya lubaki yango ne mutu elukile ba problème. Et puis, boba tikali, bazu message. Tala siko mulunda, nenga vandi na kata prison. Bazo konsole na bande kona ye. Men denga zanzo regrete. Na kata ba mire. Ndenge ba kangela ki eteni wana de omone lambala teki. Nde bazu wake na ndaku, ndenge ba mewake na kata prison. Alo, ba okate la ye, akosamba. Tuku yeba, suki kombye da neo ba okatilai, me, ayeba ke, azo fute yango. Paske, ma beo tuto sala ke kozonga din manye din otre, na 2011 ba kongole ba leli, lelo yope ba zuyo na mitifi ya makambu, oyo talasiko zape na prison. Me, probleme za siri ya bandiko, anangato obeta siti ya makama secession. Kongo jame kokabwana, muta kokabula Kongo, akufuta yango. Alors, tu tigas mon abino, tu commences à la deuxième fois.
Alors, bande konanga, chers téléspectateurs, chers internautes, bisognon, sotoye bi outo le kamikolo makaba, gâteau et tout ça. Mais, à la fin, katumbi bemba ba yokani. Batikali nyon sacré. Donc, la machine en marche, makamu nyon so en marche. Toko bandawa, na premier point, identification ya majorité, et puis deuxième point, toko yana motion ou ils ont salama contre Ilunga. Identification de la nouvelle majorité, les députés nationaux invités en plénière ce vendredi. Bandeko lobby et kozala somme. Bango tout ba invité bango. Mais avant ça, Bayati accueilli et pas président de la République au présenté na palais de la nation. Ba président nyon sa ba parti. Bandeko somo ndebo somo na wana ba regroupement nyonso bango na ba fandi ba representant ba lobby ke kozala écrasante na ba mon donc eza somo ba ati a lobby ke vraiment majorité kozala kosaka na nguti alors plénière kozala lobby e kozala somo. Après plusieurs reports, la session extraordinaire à l'Assemblée nationale s'est posée ce vendredi. À l'ordre du jour, identification de la configuration politique de l'Assemblée nationale et la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Ah, bakotombo la misa pi bango nyonso. Banani bati nyonso sacré bisou. Baeti alobi. Et ça, somme. De besoin d'une photo, on a qu'un des d'abord qu'on présente, bango pas fati. Bota la ka nombre, wana. Pis moi boulou. Groupement n'a pas si 20 députés, bango nyon so ba koti ni nyon sacré. 20 députés. Bokan sa kasko nombre. Donc, FCC, dont à peu près ba 200, 20, 70, ya Katumbi, au Baxi, il dépèse cash. Donc, au moins, la majorité, mon quoi, qu'on s'accorde en anglais, ou qu'on s'abat 350. N'est au moins. Alors, les amours boulou. Donc, après, ma tata, nous sommes une union sacrée, Vandi. Fatia du pouvoir, n'a ma beaucoup. Que si, qu'on va décision, nous sommes à cause. Bozan a problème sérieux, Mikolo et Zoya. Une plénière, qu'on a la lobby de tous les enjeux. Elle déterminera qui nani a causé la majorité. Alors, les rapporteurs du bureau d'âge, les députés nationaux, vous invitez les députés nationaux à prendre part à cette plénière dont Moutoua Koki Kozangate. Ce Kozangozan a problème sérieux. Pour lobby, Ndema Solo et Kovanda. Lobby va déclarer. Après, on a assumé lundi, Bande Konanga Troyeba. Déjà, Premier ministre, la semaine prochaine. Et ça, mon boulot. Alors, FCC n'a pas perdu. Bazo se pelate session où il y a lobby. Ba lobby qui va violer la constitution. Et ça, son mot, il y a un deuxième point. Donc, PPRD va passer interview, mon co. Soit qu'il interview à PPRD, bon, lobby, mais pas tout. Ba lobby qui. Onyon se oba, bengisio eko salama lobby, eza violation a constitution. Metezo yana pouan. Alors, bande konangay, fatia du pouvoir na maboko. Elo ni ba Kongole ba so s'attendre. Ete makam nyon se vanda. Guerre wana este ba sil sa yango. Peple, makamwe bonga. Peple lingi ti fin 2000, ya 2021, batu ba s'en sortir. Tokoko vivre beau été payé zana ba richesse belé mais on n'a rien. Alors bande konangai lobby kozala somo. Tango ba ko tombola misabi. Ba nani baza majorité inyo sacré. Fachi betan juma solo na ye na maboko. Banguna onyoso ba bande ko nyoso za ole ka mikolo na affaire gâteau. Nao kabunda lobi bon nyoso anezo to benga yango mo pepe o ilingi ke deranger masulu. Masulu zongi na base. Masulu zongi propre. Bande ko na ngai to zala connecti. Parce que
ma solo pena siko ezongi na place na nde baza wana baza na problème sérieux. Pourquoi toujours que baza na problème sérieux? Parce que FCC siko evandi ma solo e bani ko tambola alonde baza na bazulu kanzela ko kende na yebite soki ba ko kende wapi. Bato ya PPRD FCC baza na problème sérieux parce que sikoyo a parti à lobby toko yeba majorité. Alors lokolo ezo salama alors baza na problème sérieux. Donc bande konanga ekozala somo identification de la nouvelle majorité bango nyonso baza invité na assemblée nationale. Donc lobby Bokumona katumbi bemba bango tout baza kote moko ba député na bango alors pona ko représenter union sacrée. Donc omu pepe nyosa mabel nga ke salama iko salama de suite nde bozo mona nyosa pis mabulu apesi bango 20 députés soko calculer soko ba député nyosa bande konanga esa somo tango ba député djé ba komi ba 300 et quelques ba 350. Donc, côté Moussouan et Kotikala, et Kozara Kaka Fayoulou, na Kabila. Donc, on a parti à FCC. Donc, Fayoulou, na FCC, ma watrou. Donc, bas Kozan, on va à 100. Donc, bas 5, quelques, bas 120, tu bas 100, combien? Donc, ma watrou. Alors, Fatia Dji, mena majorité. Si koyo, ba décision, ba na Kozon. Boko mona fachi ba projet nyonso azaki nango ekufungwama muta kuza contre ngo ezate alors peuple to bana ko sepela po a partir deja mikolo oyo masole vandi alors toke na deuxième partie oyo motion contre ilunga ba député abemba na katumbi ba sala ki réunion alors bango tout na réunion wana bazwaki ba décision ya ko supporter motion contre Ilunga. Alors, ba sangana ki bango nyonso et puis ba mona kete il faut ba supporter motion anwa moni comme temps yé alongwa. Donc ba zalaki na place yo ba zalaki na réunion toko yé psa pebino is ba zaki vraiment na place yo ba sangana ki pona réunion wana et zalaki na paroisse Fatima. La motion est signée solennellement à la paroisse Fatima où les députés de Bembe Katumbi ont examiné la situation politique de leur marqué, notamment par le refus du premier ministre démissionné en dépit des reconfigurations du paysage politique. Bazalaki bango nyonso na paroisse Fatima na Kinshasa. Basanganaki bamonaki comme état oyo premier ministre Ilunga Akende. Donc, et comme ta Ilunga Atika Akende, bandeko, ou ton le kamikolo ou nyonso, et dérangé mon mouki. Frank Diongo a zwa ki me maloba, ke apese ki kaboun mwa foti kote wana, nandinga bimisa ki ma sekra masoulo. Alors, Diongo a kondana ki Jean-Marc Kaboun. Parce que ma soule est là qui pas dit quoi que bimisa mouti. Alors, fan, donc, kuna kabunda sa ke erreur. Alors, a quoi bimisa ma soule bon mouti ba diongo nyonso. Mais, et loko tozo sepe les ali, comment Katumbi bemba va se comporter na ba homme politique. Il faut te féliciter bango. Que talaka ba sekre bo loba ki ba yeko loba ngo libanda. Mais, bon maintenir décision ya koza l'ensemble. Et za félicitations à Katumbi et Bemba. Alors, motion. Après constat du refus délibéré du Premier ministre de présenter la démission de son gouvernement au président de la République, chef de l'État, le groupe parlementaire MSG7, AMK et alliés et MLC-ADN considèrent que cette motion de censure constitue parachèvement de la disqualification du régime et se cache après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Bande Kurangai, Basangana qui n'a pas rassuré Fatim Bango tout, bas signé que motion Masulu et Bandi. Donc, Boka Bega Lobby en a pesa Minangwa,
ba surprise ko sala matan ka ba majorité le ba poni et sili lobi plénière lobi yango wana na zoma lokol makambo yilungi ko sala ma pelobi pourquoi toujours le babo et malgré que procédure est à moi moulai mais et quoi que peut rapide parce que Christophe Mboso a zoma même en pénal rapide FCC PPD ba pesi interview moko eza somo tozo ya na pon allo bande korangai citation yangwana donc ilunga azokindi na soye bati na basala o motion ba longolo yo boui o li ko démissionner na yo ayi bineke bazal chune lo kote mail bon bo comprendre ka zo zela peut-être kaka ndenge mutazo tante ne chance na dernier minute bon ba mikolo pe pour ça ne peut pas na ka ofute salaire na premier ministre allo bande ko na ngai ndenge poyo ezo kende ekozala somo to yoka weekend oyo parce le beza plaidé alors oyo ko leka lobby ba majorité sili lundi be premier ministre abimi donc motion ilunga déjà eza somo parce que talaka ba député katumbi na bimba ba signé yango lero sang sa député nyonso a FCC ba otuba bango pe ba signé yango yeba bango tout le ba député FCC ba signé ko longola yi alors baza besoin premier ministre asuka gouvernement tambola union sacrée atamso masulu alors bande ko nga fatia du pouvoir nyonso te tiki deuxième point na bino te komo leka na troisième point oyo bomimboka interview ya PPRD alors chers téléspectateurs, chers internautes, comme dans le deuxième point, Obalubaka interview à PPRD. Qu'est-ce qui se passe kuna? PPRD ba tombo kimabi. Ils ont dit ceci, que la Cour constitutionnelle a permettre que son bosse na bureau d'âge kaka des points. Yako, voter bureau définitif. ça passe na dossier oyo na mikba kobongisa nina questeur tout ça ya démission ya crecer na moi pour mswana mais makambo ba comment ça la séance oyo bango baza bureau définitif te ba ko sa la séance extraordinaire te oyo ko sa la malubi pour ba yebi ke oyo sa ma vendredi Eza ya kuhinda, majorite kubima lobi vendredi, alo bango deje babani makelele. Baza kontre yango balobe za violation ya constitution. Pase ba pese bango kaka pouvoir ya kubongisa bureau definitif. Koma bureau d'âge, bako makosala ba séance extraordinaire. Eza ya kuhinda, esi yindi. Bande korangai, PPRD lokola ba maese sina makilande ozomo na bangwana ba dirija bilonge komi mawa mawa do mawatu kabila el bango batika na opposition de ozomo na bangwana menaku batwana nyonso batika la bango batuki parti PPRD na quelques députés bon na evite soya ba la majorité ka PPRD to loba nombre etika les ka PPRD 117 députés ya PPRD o batika li pour battre FCC tout baké na bango ah PPRD botika nde bozalaki botika la kabon alors avance donc bango balobi ke cour constitutionnelle atikala jamais ko permettre que son bosso basala makambo baza kosala azo yebza journaliste biloko oyo Mbappé se moka ka de point comment bango ba convoquer ba séance ça ordinaire ils ont même parlé que mbongo ezala ki kuna ma bunda tika ki mbongo so combien de millions akoko que no singa bande ko batu oyo baza batu moko na yebite malamu kaka FCC panzana botika la kaka PPRD na makam na mnebite komba FCC asubo bano tambo na ona ebita bo changer na minokati bolongo na mika PPRD botika ngai koma na ngaka PPRD pona so so tina moti boko bos lo ba FCC allo le 5 kasongo mutu apesa ki
interview na ye. Bande konangai, interview wana, ezalaki sur bureau d'âge. Bango ba sepelite na oezo leka na Assemblée nationale yoko leka lobi. Ba ba séance ordinaire yona ndenge ba motion contre ilunga bango ba sepelite. Alors, batu woyo bande konangai foto ye bake, ba lukwa kwa kreye ka ba problème. Ndenge bazane fo ba kreye li kamobwe, ba dmise li kamobwe. Alors, sans plus tarder, to yok interview ya Lucien Kasongo, o azali secrétaire permanent adjoint ya PPRD, il est aussi président ya commission PAJ ya Assemblée nationale. To yok a yponde nga zana, lobi yepe mousane zo esi si la inango. Donc, passe lobi, majorité monsieur ko Lucien Kasongo, boulot no pe ko vide nango. Alors, to landa ye, au hasard secrétaire permanent à PPRD, bon, on continue la mission à Bissou. Songo, député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD, vous êtes aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Quel est que vous faites du déroulement de cette session extraordinaire? On vous accuse, vous, FCC, de bloquer les travaux de la session. Mon estimé collègue Chéribin Okende, et je présente mes vœux le meilleur à tous les auditeurs. Je voulais commencer, honorable et madame la journaliste, par le commencement. L'élément déclencheur du processus de la convocation de la session extraordinaire, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 15 décembre de l'année 2020. Et cet arrêt, et la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les RCORS 1438 à la demande du bureau d'âge. Le bureau d'âge a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'autorisation de prolonger son mandat, parce que quand vous lisez l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mission qui était dévolue ou qui est dévolue au bureau d'âge en matière de pétition, c'est de présider la séance de vote ou d'examen qui conduit au vote de pétition. Point à la lettre. Mais comme tous les membres du bureau, les cinq, étaient tombés par pétition, le sixième membre était déjà tombé avant. Il ne restait que l'examen du dossier ou de la pétition du testeur adjoint. Et le bureau n'avait pas la qualité de convoquer une séance en dehors de celle qu'elle avait présidée le 10 décembre. On a saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse autoriser au bureau provisoire, au bureau d'âge, de pouvoir continuer comme bureau d'âge. Et la Cour a autorisé. La Cour a autorisé. Au bureau d'âge, quand vous lisez l'arrêt de la Cour, cet arrêt rendu le 15 décembre 2020, la Cour a utilisé deux verbes. Le premier verbe, on autorise au bureau d'âge de proroger son mandat, parce que le mandat s'était arrêté avec l'élection, avec les pétitions. La Cour a autorisé au bureau de proroger son mandat. Deuxième verbe que la Cour a utilisé, habiliter le bureau. Donc, on a autorisé et on a habilité.
à la base de ce retard. Ce qui sera à la base de ce retard, ce sont des calculs politiciens. La matière essentielle qui reste au calendrier, c'est le vote du bureau définitif. Et vous savez vous-même, pour voter le bureau définitif, les forces en présence doivent se mettre d'accord. Et vous suivez vous-même les contradictions de matin, soir, du côté de l'Union sacrée. Tantôt, l'État a demandé l'Assemblée nationale. Tantôt, c'était le composant qui va prendre l'Assemblée nationale. Ce sont là les problèmes et non le problème du FCC, madame. Est-ce qu'on a, donné le calendrier de l'examen du vote? Il n'y en a pas. Des dépôts de candidature, il n'y en a pas. Est-ce qu'on avait signé la décision qui convoquait le député pour pouvoir donner le chronogramme de l'élection du bureau définitif et qu'on a boycotté la plénière? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le problème reste ailleurs. Ce n'est ni l'argent, ni le FCC. C'est le problème que les composantes, toutes les familles politiques, tous les regroupements de partis politiques en présence cherchent à se retrouver dans ces bureaux-là. C'est ça où il y a le problème. Vous êtes sûr, Lucien Kasongo, que le problème de budget ne se pose pas? On a suivi tout à l'heure Chérubin Okende qui nous a dit que lorsque le bureau d'âge est entré en fonction, la caisse était presque vide. On ne peut pas organiser cette session sans argent. Et le bureau sortant a laissé dans la compte de l'Assemblée nationale le 2 500 au-delà de 1 000 $. Si pas 2 500 000, 3 millions. Et il y avait l'argent. Cela n'avait rien à voir avec la session extraordinaire ou la session ordinaire. Il y a le frais de fonctionnement qu'on donne pour le mois de janvier. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, bande konanga to landi PPD. Lucien Kasongo, secrétaire permanent du PPD, a lobi ki bazaki autorisé kaka na makambwana ndenge to landi wana, dont deux points, ya questeur et puis ko voter bureau définitif. Mais comment bango bakomi ko convoquer ba séance extraordinaire ya boye? Bango bako convoquer ka séance ordinaire ya ko voter bureau définitif. Baza na pouvoir te donc za violation à constitution. Bande ko bato ba beli libomo. Mayele sili bango. Makelele wana nyonso nga pona nga nyonso ya pesi l'interview wana nyonso za makelele. Parce que basi basili. Boyebi batso ba komi na suka ba komo loba oyo wana oyo bako ikoloba. Alo, ndenge baza wana mayele sili bango. Pourquoi? Parce que béton ici nyati bango. Boye biso ki ba nyati bino bokunga kulela na si. Donc neto lo bawa mawatu. Biro oyo dage bazo sala musana na bango. Mais selon bango bazo mona ke ezana violation. Alors ezama wa trop komona comportement ya batu oyo. Na yebite. Ce qui vraiment va se comprendre que bango va se basili mais va se mona ka ke bazali majorité zali sujeté batunyo so ba kena union sacré quelque bango mo ba mitunde zo mona bango wana po bango jamais ba ko bouger bango za makila pe perdre bazana problème sérieux bazo luka ndenge nini bakoko s'arranger makambo bande ko nangai bazana situation moko bazo lukandeni ya kusala mais na ebite soki bakusala ngo parce que oyo nyonso ba makile le contre le bureau d'âge o boy na boy ezatana donc ezatana mutuna makuluti PPRD bo dirija ki mboko pendant 20 ans. Boutique mboka nyonso par terre. Lelo yo bo père de majorité. Lelo bo tinda envoyé na bino Lucien Kasongo. Aya kolobaki. Cour constitutionnelle. A pese bango ka depo. Ba prolonja ki d'abord. Le 15, le 10 décembre. Ba prolonja ango. Et puis. Bango mena. Ba ya lubi ke ba lubi kabasa la pétition à questeur. Et puis. Élection ya bureau définitif. Bango ba commencer la ba séance extraordinaire et tout ça bon la ndika kandenga bendi ba donc ngapo na ngai oyo tuba le bien comme le kwaka makelele pa ba congolais et kotia wa et bimia po bato yo ba se ba sili na ba mais mikolo ba zo luka manipulation
va profiter na ozo le kana inyo sacré mais ne batika no position na ebite opposition ba ko sala ngondini c'est ça question de tout basa na peuple ta ko landa bang minaku Nemi Shadari bakoti na balabala Bino tubo koti wa matata mponyo Bino nyoso bokota na balabala nanwa Pepla landa bino Boko sana komi pasi bosalaka marsh mobo awa Bo pesi pesi ba diba mbongo po batuma ya marsh Opposition fupo sana marsh Batuma sana simana bino Alo opposition tozo bengango Opposition moko ezata na fondu mati Alo bande konanga batu ba komi na suka Tulandi biso nyoso wana Donc, situation na bango ko mobulu nde bazawana bazoy bedoka ko salati. Donc, ba député nyoso bakei, lelo ba komi ko se plaindre pona birodage. O tuni ko crié o ba bengaka incompréhension. Incompréhension ane zo crié et loni ko salama incompréhension bam 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 bale ba koti mobulu na mboka ale biso nyoso tulubi no birodage makosa makambo te botika batu makilili alo bande konanga ezamawa komona ki batu bat bebi simboka na biso siko inyo sakre bandiba bongisa mboka bango bayibi ki pleniere kosa malobi eza pleniere moko decisive donc majorite akobima babani makilili alo bande konanga ezamawa batu oyo totala bango bien ma bébé Simboka. Alors, en ce point, tu comment clôturer mission na biso pour batou yo baza batou mabe. Ba kum batou mabe. Alors, ba panzi mboka, ba bébé Simboka, ba makele le nyoso ba baza ko tia. Tout monde est le côté. Alors, merci bande konanga, bo continuer ko s'abonner massivement. Tu comment na fait mission na biso. Au revoir. À la prochaine.